Laissez-moi. Parmi toutes les filles, seule une est encore vierge. Laissez-moi. Rien qu'une. Parmi toutes les jeunes filles, rien qu'une seule, laissez-moi. Ah! Ah! Imbécile! Idiot! Des bandes d'incapables incompétents. Si d'ici la fin de la journée, vous m'avez pas trouvé des filles vierges, je vous couperai la tête. Disposez. Que fais-tu planter encore là? Trouvez-moi des vierges avant le coucher du soleil. Oluma, viens. Où vas-tu? Je m'en vais rencontrer Odjugo. Tu vas rencontrer Odjugo? Regarde-toi. Tu as failli te faire enlever la dernière fois. Hein? Et aujourd'hui, tu veux aller voir Odjugo. Hein? Ne peut-elle pas venir te rendre visite? Retourne à l'intérieur. Mais désolée. Que signifient ces bêtises? Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Nay, je croyais que tu avais fini de nettoyer les légumes. Je fais de mon mieux. Cette fille m'a interrompu. Nay, essaye encore. Je m'en vais vérifier ce que fait. Elle ne me respecte pas. Elle me demande de nettoyer sa place. Elle n'a qu'à me donner un manger. Si elle ne le fait pas, je m'en fous. Mais après tout, je pourrais aller ailleurs. Tu es bien vêtue et très ravissante. Dis-moi, quel est ton secret? N'est rien. J'ai décidé d'être de très bonne humeur aujourd'hui pour que les dieux bénissent ma journée. Les dieux vont bénir ta journée et le restant de tes jours. Issei. Bien. Tu ferais mieux de te dépêcher d'aller puiser de l'eau et de revenir. Dépêche-toi, ok? Ok, maman. Sois sage.
D'accord. Mais... Oloma. Mais... Tu as porté l'une de tes plus belles tenues et tu t'es pomponnée. Es-tu sûre d'aller à la rivière? Oui, mais... Bien, tu sais, si ton père était encore en vie, il ne t'aurait pas laissé. De toutes les façons, vas-y. Ok. Et dépêche-toi. D'accord, au revoir. Reviens vite. Bye. Au revoir. Je suis inquiète. Quand ces vieillards et ces jeunes garçons naveront. Hey. Oh, Bim. Mmh. Qu'est-ce qui t'a autant retenu? Ça fait des heures que je t'attends. C'était ma mère. Elle m'a interpellée quand j'étais sur le point de sortir. Elle m'a demandé où j'allais et pourquoi j'étais aussi belle. Ne t'en fais plus. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Le plus important est que tu sois ici, avec moi. Alors, comment est-ce que tu vois ce matin mon rayon de soleil? Je vais très bien. Et je suis si heureuse de te voir. Je suis vraiment dans la joie. Vraiment? Vraiment? Oui. Donc t'es heureuse? Énormément. Prouve-le-moi. Exagérément. Prouve-le-moi. 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 Oh, Bim. Mon cœur t'appartient. Et mon âme. Mon corps t'appartient. Je t'aimerai pour toujours. J'ai quelque chose pour toi. Ceci représente l'amour que j'ai pour toi. Mon amour sincère. C'est parfait. Écoute, je voudrais que tu l'aies tout le temps sur ton cou. Je voudrais qu'il soit avec toi n'importe où tu iras. Merci, mon amour. Je t'aime. Cette perle appartenait à ma mère. Et elle lui avait été offerte par ma grand-mère, ma mère. C'est très, très important pour moi parce que cela me rappelle ma mère. Mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'il soit toi. Car maintenant, tu es ma mère. Je t'aime. Je t'aime. De tout mon cœur. Plus que tout au monde. Plus que toute autre chose. Je t'aime aussi. Je t'aime.
Continue de danser. Au lieu d'aller puiser de l'eau, tu es là en train de danser. Oloma, ta mère t'a demandé d'aller puiser de l'eau, mais t'es là à danser. Ne t'arrête surtout pas, continue. Idioma, s'il te plaît, attends-moi, je vais puiser de l'eau et on rentrera ensemble. Que je t'attende? Tu vas puiser de l'eau? Merci. Idioma, qu'est-ce que tu attends encore? Allons-y. Eh? Alors que ma mère m'attend. Ah! Ngozi, pardon. Mm-hmm. Toi aussi? Reste là si tu veux. On y va. Nous sommes tous au courant de l'enlèvement de nos jeunes filles depuis peu de temps. Et nous avons vraiment été dociles face à ceci. Je vous ai tous appelés ici en tant que roi de cette communauté. Et j'ai décidé que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons faire quelque chose pour arrêter cette menace. Sage décision, Votre Majesté. Parce que... par le passé, nous entendions parler d'enlèvement dans des villages très lointains. Mais aujourd'hui, nous en sommes devenus les victimes. Nous devons absolument faire quelque chose. Hein? Igwe, nous devons faire quelque chose. Je pense sincèrement que nous devons aller consulter Dibia Nazio. Qui est Dibia Nazio?
Bonjour. Je vous salue, Majesté, la reine du royaume dont j'ignore l'existence. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ugoloma, nous pouvons être amis. Arrête de me combattre. Que Dieu m'en préserve. Toi et moi, amis. Écoute, laisse-moi te dire, nous ne sommes pas égaux. Et nous ne pouvons pas être amis. Je te crois tout permis juste parce que je te crois belle. Et Dicky est tellement aveugle. Il te brisera le cœur. Ugoloma, qu'est-ce qui te fait croire qu'il me brisera le cœur? Tu es très stupide. Je ne suis pas aussi laide que toi. Je ne suis pas stupide comme toi et je ne suis pas vulgaire. Ugoloma, c'est de moi que tu parles ainsi? Et que vas-tu faire? Es-tu folle? Ugoloma, que vas-tu faire? Je pourrais te frapper. Comment? C'est de trop. De mauvaises choses se passent. Chai. Ugoloma? Pourquoi as-tu mis tant de temps? Que s'est-il passé? Mais rien. Quand je partais passer le message, j'ai décidé d'emprunter la route qui mène chez Ugoloma. Juste pour la saluer, oh. Juste pour la saluer. Elle a commencé à me frapper. Elle a bagarré avec moi. Elle m'a frappé. Mais je t'assure que je ne lui ai pas rendu. Je ne lui ai pas rendu. J'ai préféré rentrer. Mais leur as-tu passé la nouvelle? Oui. Ok. Donc tu es passé par la maison d'Ugoloma pour annoncer la nouvelle. Va à l'intérieur et reste ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants de nos jours? Au lieu d'aller faire ce qu'on lui a demandé, elle est allée là-bas et a commencé à... Pourquoi est-elle passée par la maison d'Ugoloma? Je viens de gagner. Ah! Oh la main! Juste comme ça maintenant? Mais tu as vu! Ok, d'accord. Ngozi, pourquoi est-ce que tu ne joues pas avec nous? Tu es toute bizarre depuis que tu es arrivée. Oh la main, je ne suis pas du tout contente. N'es-tu pas inquiète de l'enlèvement qui se passe dans ce village? Je suis vraiment inquiète. Ngozi, si quelqu'un s'est fait enlever, c'est son sort. Alors calme-toi. Viens jouer avec nous. Donc vous agissez ainsi parce que vous ne vous êtes pas fait enlever, n'est-ce pas? Que les dieux m'en gardent. On ne peut pas me kidnapper. Que les dieux nous en préservent. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi te dire. Personne ne peut enlever des belles filles comme nous. Dis-lui. Adesiyama. Qu'est-ce que tu racontes? Ces ravisseurs connaissent le genre de personnes qu'ils enlèvent. S'il te plaît, dis-le. Et c'est pour cela que tu pleures, parce qu'ils viendront t'enlever très bientôt. C'est même une bonne chose. Pleure bien, car tu ne pourras plus pleurer quand tu te feras enlever. C'est dans notre jeu. Simplement parce qu'on kidnappe les gens dans ce village, alors nous n'allons plus jouer. Nous n'allons même plus boire de l'eau. Nous n'allons même plus manger. Comme ça tu parles aussi. Ne doit-elle pas parler? Jouez à votre jeu. Si tu veux mourir, meurs. Belle demoiselle. Meurs avant qu'il ne te tue. C'est moi qui dois jouer. Belle demoiselle du royaume. Attends, Idioma, attends. Attends. Mais attends, non, laisse-moi regarder. Attends. Idioma, attends, c'est à mon tour de jouer, attends. Chérie, un instant. J'avais oublié de te dire. S'il te plaît, je voudrais que tu viennes me faire à manger aujourd'hui.
Tes plats, c'est si culant. Ok, mon amour. Mais, Ney. Oh, Bim. Je ne sais pas si Ney va me laisser venir. Ah, ok. Je vais passer le soir en partant à la rivière. Tu sais que je ferai tout pour toi. Merci beaucoup. Je t'attendrai, chérie. Ok. D'accord. Vas-tu habiller ainsi? Il est évident que tu vas voir quelqu'un. Peu importe ce que tu fais, sois sage. Qui est-ce qui t'a appris à te maquiller ainsi? Ney, c'est toi qui me l'as appris. Qui? Je ne me maquille pas de cette façon et je ne m'habille non plus de cette manière. Ney. As-tu oublié, en ce temps où tu t'habillais et te maquillais de cette façon, quand on partait se balader? Pardon, ne me rappelle pas ce bon vieux temps où je me faisais belle pour ton père. Peu importe, tu peux partir, mais rassure-toi de rentrer à l'heure, car tu devras aller à la rivière puiser de l'eau pour qu'on l'utilise ce soir. Ok, Ney. Est-ce que tu m'entends? Merci, dépêche-toi Ney. De rentrer. Ok. Et arrange ta démarche. Non, mais arrête. Je suis tellement heureuse. Hey, ça c'est ma puce. Alissa. Oh, idiot, mon Dieu. Oh, Dugo. T'es aussi ravissante. Regarde-moi. T'es ravissante. Excusez-moi. Oh, Dugo et Idioma. Donc, c'est vous que cette chose salue? Hey. Ogoloma. Ogoloma, c'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce que l'Oma t'a fait? Pourquoi es-tu si méchante avec elle? Qu'est-ce qu'il y a? Pose-lui la question. Quel est ton problème? Hein? Tu es juste jalouse d'Oloma? Ah! Que t'a-t-elle fait? Elle ne faisait que nous saluer. Ferme-la! Et pour qui est-ce que toi, tu te prends? Pour oser me parler de cette manière? Oh, Goloma, c'est à moi que tu parles ainsi? Ah, Goloma, ne fais pas que je... Oh, Goloma. S'il te plaît, calme-toi. Goloma, attends, laisse-moi parler à cette fille. Laisse-moi lui tirer les oreilles. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Attends, je te pose une question. Penses-tu pouvoir nous rivaliser quand il s'agit de bagarrer? Nous allons tellement te frapper que tu vas tomber et mourir. Respecte-toi, oh. Je t'avertis, respecte-toi. Tu t'imagines? Idioma, c'est bon, je m'en vais. Ok. À plus tard, bientôt. D'accord. Au revoir, ma puce. Hey. À bientôt. Hey. Tu ne t'occupes pas d'elle. Très ravissante. Merci beaucoup. À plus, ok? Ok. Ah, belle demoiselle. Bye. Bye. Regardez. Tu es juste jalouse, c'est tout. S'il te plaît, oublions-la.
Sais-tu que tu es très belle? Très, très belle. Tu as pris mon cœur. Je t'adore, chérie. Je ne peux plus attendre pour faire de toi ma femme. Je ne pensais qu'à toi. Sois vivant avec moi et un de nombreux enfants. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allons-y. Je veux te faire à manger. Viens. Tu sais que quiconque me verra actuellement dira que je suis un homme accompli. Et également, de même que quiconque te verra pourrait affirmer que toi, tu y es une femme accomplie, une vraie femme. Et aussi, je voudrais te demander, Oloma, veux-tu m'épouser? Oui. 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 Je ne t'ai pas entendu. Je veux t'épouser. Nai, tu es rentrée. Oui, déjà. Ouais. Nai, alors comment ça s'est passé? Oh, ce n'était pas du tout une réunion facile. Ça s'est passé. Nous avons délibéré. Et à un moment donné, on s'est tous fatigués. Néanmoins, nous avons pris une décision. Au prochain jour de marché Ike, nous irons de nouveau au palais de Igwe. Et cette fois-ci, nous verrons comment faire pour aller consulter le guérisseur du village. Ok, c'est bien. Que les dieux de ce village nous éclairent. Oui, c'est ce que je souhaite. En passant, je me demandais s'il y avait encore de la nourriture pour que je... Oh. Dans la cuisine. Ok. Ils ne vous ont pas donné à manger. Avec ce genre de conditions, c'est un peu difficile de penser à de telles choses pendant la réunion. Ok, je vais aller vérifier. D'accord. D'accord. Tu as toujours été chef cuistot. Notable Damokwe. Igwe. Je vous salue. Choko. Nachinta. Ndiangwengwe. Nandengwai. Nous venons demander ton aide. Protège ce village. Car c'est toi qui l'as créé. Ndomwanye. Ici. Béni soit ce village. Ici. Nous réussirons à vaincre l'ennemi. Ici. Béni soit cette Kola, car elle provient de nos terres sacrées. Et elle nous donne la sagesse dont nous avons besoin. Et que seule ta volonté soit faite. Ici. Les dieux nous révéleront la vérité. Et que cette Kola ici nous accorde longue vie. Ici. Qu'elle nous fortifie. Ici. Gloire aux ancêtres. Maintenant, nous allons la partager. Ici. Igwe. Ichi Okafor. Ichi Okolie. Igwe. Je voudrais que vous informiez Ichi Oku. Igwe. Nous sommes heureux que tu sois là. J'étais sur le point de leur informer du voyage. Alors tu rejoindras Ichi Okolie et Ichi Okafor pour un voyage au royaume d'Obliali.
pour aller voir le Tibia Agnassi. Quand vous serez de retour, nous saurons bien quelle sera notre prochaine étape. Igwe. Oh. Hey, je vous salue. Hey, Nai. Nai. Sois le bienvenu. Neo. Sois le bienvenu, une antilope. Hey, sois le bienvenu. Une antilope. Oui, Nai. Ton piège a bien fonctionné. Oui. Un instant, je vais appeler Uluma. Uluma. Neo. Neo. Viens. Dis qui est là. Il est venu nous rendre visite. Hola. Obi-moi. Bienvenue. Ndeo, merci beaucoup. Nai, Dike. Bienvenue. Heureux de te voir. Ah, t'es là depuis un moment. Je venais d'arriver. J'étais en train de saluer Uluma et maman avant que tu ne viennes. Mon piège a attrapé cette antilope la nuit dernière. Hey, j'ai pensé à vous quand je l'ai vue. Alors je l'ai amenée ici pour que vous puissiez le préparer et le manger. On voit là une gentille attention. C'est gentil, merci. Regardez, il me regarde. Ce n'est pas moi qui fais ce piège. Dépêche-toi de le cuisiner, hein. T'inquiète, chérie. Prépare-le avec toutes les épices. Nous le mangerons avec du bon vin en accompagnement. J'arrive. Ah, ce jeune homme est vraiment gentil. Merci, oh. Il est vraiment gentil. Ah, du bon vin de palme. Tu sais, Chenza, c'est un très bon... cueilleur de vin de palme. Tu l'as pris chez Ichi-Chinza. Petit coquin. Hey. Ok, c'est bien. J'espère que tu ne lui dois pas. Non, tu sais. En la fait, la dernière fois, il s'est planté. Il l'a fait. Ça doit être une erreur. Nai, viens t'asseoir. Non, maman, c'est bon. Je vais me tenir debout pour que tout ce que je veux dire tienne aussi. Nai, il y a quelque chose d'important dont je voudrais te parler. Et si... tu me le permets, car je pense que c'est le bon moment. Ah oui, nous t'écoutons, vas-y. Bien, il s'agit de votre fille, Uluma. Sans perdre de temps, je voudrais demander sa main à mariage. Hey. Ah, c'est entendu. Es-tu certain de vouloir te marier maintenant? Ou... Nai, oui, je suis très bien préparé. Est-ce que tu lui en as déjà parlé quand même? Bien sûr que oui, et elle a accepté. Elle est d'accord? Oui, Nai. Écoutons la suite. Voilà ce que nous allons faire. Je vais encore en discuter avec elle, hein. Et après cela, je te ferai parvenir une nouvelle pour que tu viennes avec ta famille, hein. Nous n'avons pas de pression. Je comprends. Ensuite, j'appellerai ma famille. Tu sais, je ne suis pas le seul à être son père. Notre famille. Nai, je comprends parfaitement. Je comprends. D'accord. Ok, je vais devoir m'en aller maintenant. Mais tu peux prendre un verre. Hé, Uluma, viens. Non, Nai. Peut-être une autre fois. Un autre jour. Uluma. Uluma. Dis que s'en va. Nai. Dis que s'en va. Oh, ok, Nai, je vais aller l'accompagner. Pas aujourd'hui. Il connaît le chemin. On se verra plus tard, ok? Hein? Au revoir, Nai. Au revoir. Nous reverrons. Hein? Au revoir. Aïe. C'est bien. De quoi as-tu parlé avec Dike? Aïe. Tu ne m'avais pas dit que Dike t'avait fait sa demande. Aïe. Et tu as accepté. Maintenant, couvre ton corps. Pour moi... Tu n'es pas censé exposer ton corps en tant que femme mariée. Pour ma part, je voudrais juste profiter de cette antilope et de la viande de brousse. Vous savez, je suis le seul homme encore en vie dans cette maison. Si je ne mange pas maintenant, quand est-ce que je mangerai? Chez toi, Itier. Chez toi. Avec cette vieille femme que j'ai épousée il y a des années. Tu n'es vraiment pas très différente de ta mère.
Bonjour, mon cher. Ah, bonjour. Comment tu vas? Cette mine ne te convient pas. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je me suis dit que mon prince se sentait seul. Alors, j'ai décidé de venir lui rendre visite. Oulama, mon amour. Oulama, pourquoi tu me punis? Pourquoi est-ce que tu refuses, ne serait-ce que de m'écouter? Je t'aime, Oulama. Épouse-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Emiri, es-tu aveugle? Réponds-moi, il n'y a qu'un aveugle qui ne puisse voir que je suis en couple avec le plus grand chasseur de ce village. Tu parles de Dike? Oui. Oulama, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es la fille la plus belle de ce village. Et je suis le plus bel homme de tous les hommes d'ici. Oulama, s'il te plaît, épouse-moi. Nous aurons de très beaux enfants, tu le sais, s'il te plaît. Emiri, est-ce pour cela que tu m'as arrêté? Non. J'ai attendu cette occasion toute ma vie pour te dire ce que je ressens, pour te dire à quel point je t'aime. Je t'en supplie, épouse-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Emiri, que ça soit la toute dernière fois que tu m'interpelles pour me parler du mariage ou que tu m'aimes. Je ne t'aime pas et je ne te pousserai jamais. Oulama, ce n'est pas... Oulama. Nay,
Que les dieux soient loués. Sais-tu que nos ennemis se seraient moqués de nous? C'est vrai, ça? Que les dieux soient loués. Dike, si ce n'était grâce à Dike. Tu sais, Dike, si ce n'était Dike qui l'avait sauvé dans cette forêt. Ah, ma fille aurait été enlevée. Que les dieux de notre village bénissent Dike. Et tu sais, ce jeune homme a été envoyé par les dieux. Je l'apprécie. Et je suis content qu'il soit venu demander notre fille en mariage. Je suis aussi content. C'est un vrai homme. Je le remercierai personnellement. Oh, Olama. Olama. Apporte la nourriture, non? Mais j'arrive. Dike. Aïe, Dike. Je le remercierai personnellement. J'ai fini. Bon appétit à vous. Je vais me rassurer. Et tu saches bien cuisiner. C'est délicieux. Merci. Bien joué. On dirait que tu es la non. Oh, l'homme. Non. Apporte de l'eau à ton oncle. Ne t'en fais pas. Tu es sûr? Ne t'en fais pas. Tu es sûr? À vue d'œil, ça a l'air vraiment délicieux. Laisse-moi goûter si. Tu en veux? Tu aurais dû le dire. Attends, je vais t'en donner. C'est délicieux. Délicieux. Juste à regarder. Je peux déjà le dire. Oh, wow. Mais ceci. Non, t'en fais pas. Je peux quand même le manger. Je l'avais dit. Très, très délicieux. Je vais en prendre un plus gros. Tu sais, c'est exactement pour ça que nous t'avons épousé. Un peu d'huile, non? Mange la sans huile. Ok. C'est vraiment délicieux. Je sais très je bon. Je savais. C'est la raison pour laquelle nous t'avons épousé. Nous mangeons toujours bien. Profitons-en. C'est pour ça que tu ne manges pas ce On est vanatique. On est vanatique. Dike. Je sais pourquoi je t'avertis. Parce que maintenant, je suis un homme accompli. Dike, tu n'es pas un homme accompli. Mec. Allez, calme-toi. Dike, tu n'es pas encore responsabilisé. Qu'un aîné parle. Tu te tais. T'es un enfant après tout. T'es encore un garçon, mec. Je suis un homme. Très bien, nous pourrons discuter ensemble, mec. Tu sais, t'es pas encore marié, mec. Juste parce que Oluma a fait l'erreur de te dire oui. Une erreur. Tu sais quoi, mec? Elle aurait dû savoir que tu n'es juste qu'un singe. Dike, tu es un singe. Attends, je vais le lui dire d'ici peu. Ce test de la viande de brousse que tu ramèneras. Elle le verra elle-même. Eh bien. Ses yeux seront grandement ouverts. De la bonne viande de brousse, je sais où la capturer, mec.
Mieux que toi, tu n'as personne à qui vendre ton gibier. Hein? Écoute tous ces gibiers que tu vois dans ce village chaque jour. Tu ne peux pas en prendre un. Juste un seul. Est-ce que tu comprends le conseil que je te donne? Juste un seul. Dicky. Je te dis la vérité. Comporte-toi comme un homme. Très bientôt. Tu auras 95 ans et tu seras toujours célibataire. Je te préviens. Je suis encore un jeune homme. Écoute plus, un jeune homme. Ce que je ferai, c'est que je te fais une promesse. Très bientôt, hein? Après avoir fini mes affaires, je reviendrai ici. Et je serai assis là, à cette place. Ici chez moi. Je dirai à Oluma d'amener quelque chose. Tu comprends? Nous irons dans la forêt, chasser du gibier. Oluma va préparer cette viande. Je serai juste là. Quelle cuisine? Je dirai à Oluma de préparer. Ma Oluma. Je vais me régaler. Elle va te faire à manger. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Je dis dans tes rêves. Dicky. Très bientôt, tu viendras dans cette maison. Tu me demanderas si le ménage est fait et je te demanderai de le faire. Écoute, tu me serviras à manger et je mangerai avec mon servant. Dicky, va aller servant, mec. Tu seras mon bras droit bientôt. Je vais te donner quelques cours de chasse. Mais très bientôt. Et tu me serviras à manger. Dicky, va m'apporter dans ma propre maison, c'est toi qui me serviras à manger. Ne t'en fais pas. Je te le dis. Apporte-moi un truc. Écoute, tu seras mon servant, mec. Dicky, apporte-moi à manger. Mieux de toi, Oluma. Oluma! Mon amour. Mon cœur. Mon petit ange. Mon amour. Qu'est-ce qui t'a autant retenu? Tu sais que je devais attendre que Ness en aille avant de venir. Ah, c'est vrai. Oh, Malita. Oui. Ma ravissante fiancée. Ne suis-je pas l'homme le plus heureux sur Terre? Obim. Je t'ai gardé quelque chose. Devine quoi? Obim, dis-moi, s'il te plaît. Devine, je veux que tu devines. Tu sais que je ne sais pas deviner. Oh. Obim, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Très bien, mais il faudrait que tu fermes les yeux. Et okay. Allez, ferme tes yeux. Mes yeux sont fermés. Maintenant, écoute, retourne-toi. Retourne-toi, je te fais confiance, retourne-toi. Ok. Obim. Ne te retourne pas. Ok. Obim, mes yeux sont encore fermés. Garde-les fermés, chérie. Retourne-toi. Et maintenant, ouvre tes yeux. Obim, merci. Je t'en prie. Obim, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Oh, c'est très joli. C'est parce que je t'aime. Oh, je t'aime encore plus. Oh, Obim, merci beaucoup. Je suis heureux que ça te plaise. Merci, ça me plaît. Obim, tous ces jolis cadeaux pour moi. Merci. Avec toutes ces bonnes choses que tu fais pour moi, je ne vois pas la raison pour laquelle je peux être avec un autre homme. Même pas Emery. Emery m'a arrêté sur mon chemin de la rivière hier avant l'incident. Et? Obim, je lui ai dit que je serai ta femme bientôt. Il insiste qu'il veut m'épouser, qu'il m'aime. Mais je lui ai dit que c'est toi que j'aime et que je ne peux pas l'épouser. Dicky, moi Dicky, aimerait me défier. Il ne sait pas ce que je pourrais lui faire. Il veut me mettre au défi. Après que je lui ai donné une bonne raclée au dernier combat, il a encore l'audace d'interpeller ma fiancée pour lui raconter des conneries. Obim, c'est bon. Il est fou. Obim, s'il te plaît, calme-toi, c'est bon. Je vais frapper cet idiot. Je lui donnerai une bonne leçon. Tu m'as acheté. Je vais le mettre. Regarde à quoi ça ressemble. J'espère que tu aimes. Bien sûr que j'adore. Comment est-ce que tu le trouves? T'es magnifique. Juste comme toi. Merci. Allez, viens là, chérie. Hey, Emery, un instant.
comment tu as maintenant l'audace d'interpeller ma femme sur le chemin et de lui raconter des histoires sur ta misérable vie? Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle allait se marier? Ne l'a-t-elle pas fait? Dike, tu n'es pas le seul à avoir des yeux pour des bonnes choses dans ce village. Tu lui as juste dit tes intentions. Tu ne l'as pas encore épousée. C'est quoi ton problème? Quel est mon problème? Tu me demandes quel est mon problème? Je vois que tu te sens poussé des ailes. Tu crois que t'es déjà grand, n'est-ce pas? Pour me défier, Dike, tu veux goûter à ce qui ne t'appartient pas, n'est-ce pas? Tu veux goûter à ce que Dike cuisine, Emere? Ton Dike, c'est dans la maison de ton père, et non dans tout le village. Je te ferai honte devant Oloma et tout le village. Si tu penses être assez viril, je te donne rendez-vous à la place du marché pour un combat. On le fera devant Oloma et tout le village. Défi accepté. Igwe. Aisez-moi. Igwe, cette affaire n'est pas quelque chose dont nous pouvons parler ici. Nous devons consulter Amadioha pour savoir ce qu'il pense de cette affaire qui nous donne des insomnies. Igwe, je crains que les dieux soient silencieux. Je m'en vais. Hey! Bonjour, non, moi, que vous demandez, mon gars. Hey! Mes anciens, il n'y a aucune raison de se décourager. Il y a toujours une solution à toute situation. Et je suis sûr que nous trouverons une solution à cette situation. Il y a certainement une solution. Bien sûr, il doit forcément avoir une solution. Oui, il doit y avoir une solution. Oui. C'est à ce même endroit, que tu m'as défié pour un combat, en disant que tu allais m'humilier devant tout le village, en disant que tu allais m'humilier devant ma Oloma. Ensuite, le moment venu, t'as fui, espèce de poule mouillée. Dike, calme-toi. Nous allons combattre. Ne touche plus jamais. Aujourd'hui, Dike, ici et maintenant, combat. Nous allons nous battre. Dike, tu auras droit à ce combat. Nous écoute, Emery, tu auras ce combat. Hey, tu me défies, n'est-ce pas? Oh la mafia! Tu peux un combat ici! Et maintenant? Dike, tu ne feras absolument rien. Laisse-le, laisse-le. Tu ne feras rien, Dike. Ne t'inquiète pas. Et t'en fais pas. Et Talima ose me mettre au défi, moi, Dike. Il ose me mettre au défi, moi, Dike. Défi! Tu n'es pas un homme. Il ose me mettre au défi. Allez, reste tranquille. Écoute, tu vas voir. Dike, tu n'es rien. Tu n'es pas un homme. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu oses me combattre. Tu ne peux rien me faire. Tu oses me combattre. Allez, viens par là. Oh, attends. Tu n'es pas un homme. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Il s'est en allé. C'est un gros faiblard. Il mérite une raclée. Votre Majesté, c'est ce que je disais. Tant que la dent pourrie n'est pas retirée, la bouche ne peut manger. Vous devez faire quelque chose pour empêcher ces dégâts dans notre village. Ok, regardez, l'autre jour. Hein? Igwe. Qu'est-ce qu'il y a? Igwe. Qu'est-ce qu'il y a? Igwe. Des guerriers ont encerclé certaines filles. Elles arrivent. Hein? Ils sont allés avec elles pendant qu'elles prenaient leur bain, Igwe. Hey! Igwe. Dieu de nos terres! Dieu de nos terres! Aïe! Ça en fait beaucoup trop. C'est bon, tu peux partir.
Mon amour, tu n'es pas gentil envers moi. Je t'aime tellement, considère-moi s'il te plaît. Même les dieux le savent. Si j'étais assez en forme, le jour de ce combat, moi et Mary, j'aurais brisé Tiki en petits morceaux. Mon amour, s'il te plaît, je t'aime tellement, donne-moi une toute petite chance, s'il te plaît. Oulama, la mouche pourra aller n'importe où, mais elle finira par se retrouver chez les grenouilles. Je te dis, c'est ce qu'il m'a dit. Attends, Oulama, hein? Tu veux me dire que tu ne sais pas que... Ogoloma fait des avances à Dike. Hein? Attends. Idioma, s'il te plaît, dis-moi que tu blagues. Je m'amuse. Idioma, pourquoi aimes-tu blaguer quand nous parlons des choses importantes? Donc, quand tu me regardes, tu penses que je ne suis pas sérieuse, hein? Attendons jusqu'à ce qu'Ogoloma vienne t'enlever Dike. Là, tu sauras. Donc, Ogoloma, cette fille a juré que je n'aurai pas de paix dans ce village. Écoute, Ogoloma peut m'insulter, oh. Je ne lui ferai rien. Mais si Ogoloma essaye de se rapprocher de Dike, je lui ferai manger la poussière. Je vais mener mon enquête. Et si je découvre que c'est vrai, elle verra. Là, je te reconnais. Je sais de quoi tu es capable. Pas de problème, vu que tu ne veux rien me dire. Capable. Je sais ce que tu peux faire. Obim. Hey, j'arrive. Hey, Olom. Olam. Comment tu vas? En rayon de soleil, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, Obim. T'es ravissante, comme d'habitude. Rebonjour. Bonjour. Obim, je suis venue te faire à manger. Vraiment? Oui. Je suis un homme très chanceux. Allons-y. Attends. Obim, Idioma est venu chez moi ce matin. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non. Elle m'a dit qu'Ogoloma te faisait des avances. Qu'elle est venue te faire à manger l'autre jour. Que les dieux m'épargnent de manger la nourriture d'Ogoloma. Moi, Dike, que les dieux m'épargnent. Ah, je sais qu'elle te déteste. Et alors je ne pourrai jamais faire quelque chose avec elle. Rien du tout. Jamais. Oui, elle est venue ici. Ça, c'est la vérité. Je l'ai ignorée et je suis allée chasser. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh là, parce que je n'ai pas vu d'importance. Je me suis dit que ce n'était pas important d'en parler, chérie. Hein? Oh là, ce n'est que toi et moi. Ok, il n'y a plus rien. Écoute, j'en ai rien à faire de Goloma. Rien. Crois-moi. Mais tu sais que je suis jalouse. Je le sais, et je suis avec toi. Ok, maintenant souris pour moi, chérie. Tu ne dois pas te fâcher, chérie. Jamais, jamais. Maintenant viens, allons-y, chérie. À votre attention, le roi a dit que nous devons nous réunir dans son palais. Ce soir, quiconque ne viendra pas payera les pénalités. Orokarebeo. Eziamakanoj, Igwe m'a demandé de dire à tout le monde de venir au palais ce soir et quiconque ne viendra pas payera les pénalités. Orokarebeo, nto walamoye.
Eziama, Makanoche. Igwe m'a demandé de dire à tout le monde de venir au palais ce soir pour une réunion très importante et quiconque ne viendra pas sera sanctionné. Onoro Karibeo. Awakalam nono. Ezia Makanoche. Igwe m'a demandé de dire à tout le monde de venir au palais ce soir et quiconque ne viendra pas payera les pénalités. Onoro Karibeo. Awakalam nono. Hola? Hola, ma. Où est cette fille? Viens vite, s'il te plaît. Où est-elle? Mais pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps? Hé, hey, hola! Idioma, j'arrive. S'il te plaît, dépêche. Tu sais dépêche-toi. Qu'il y a des pénalités pour la personne qui ne vient pas. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais qu'est-ce que tu attends? Mon amour. Obim. Dans exactement 3 jours, je viendrai avec ma famille pour voir la tienne. 3 jours? Oui, 3 jours. Obim, 3 jours. C'est officiel, chérie. Hey! 3 jours. On est cambouté. Hey! Chez en bas, oh! Chez en bas, oh! Hey! Chez en bas, hey! Hey! Oh, Obim! Chérie. Bon yanné! Obim. Obim, merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis si heureuse. Sais-tu que je suis la fille la plus heureuse du village des Emma? En fait, le plus drôle, c'est que t'es même pas heureuse plus que moi, chérie. Merci. Mon amour. Merci. Je voudrais te dire merci de m'avoir accepté dans ta vie. Et je te promets. Je te promets que tu ne regretteras pas, chérie. Je te le promets. Merci. Merci, Obim. Alors, je vais aller à la rivière. Ok. Je m'en vais à la rivière. Ok. Je vais t'accompagner à la rivière à cause de ces histoires d'enlèvement. Ensuite, j'irai à la chasse. Obim, non. Je vais bien. Je vais y aller seule. Obim. Penses-tu que j'ai peur d'aller seule à la rivière? Non. Qui peut me kidnapper? Oulomma, Achagumwane, Diziama, la seule fille qui a rendu Dike le grand chasseur, le plus fort de tout Iziama, amoureux. N'est-ce pas vrai? Si ces ravisseurs s'approchent de moi, je leur ferai tomber. Ils seront à genoux. Ne t'en fais pas. Je serai bientôt de retour. D'accord. Sois prudente. Au revoir. Oh, you're like the air I breathe, oh. You're my shining star. Oh, you are the air I need, yeah. You're my morning star. Oh, my name Huna. Arrêtez-la.
Olama! Hé! Olama! Olama! Ola! Olama! 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 Ola! 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 Olama! 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 Ola! Ngweka! Ngweka! Hé! Il n'y a personne! Oh, Jogo! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des kidnappeurs! Les ravisseurs! Oh! Écoute, tu ferais mieux de rentrer chez ta mère. Tu ferais Maman, mieux. Maman, ils ont enlevé Oloma. Les ravisseurs! Dieu de nos ancêtres! Oloma! Maman. Hey! Mon Dieu! Hey! Oloma! 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 Qu'est-ce qui se passe, Ezemo? Igwe, je crains que les dieux soient toujours silencieux. Dike, Dike, tu dois te calmer. Calme-toi afin que nous puissions trouver une solution pour régler ce problème. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. N'importe quoi. Me calmer, mais pourquoi faire? Pourquoi? Ces idiots auront pu kidnapper quelqu'un d'autre dans cette communauté. Mais non, ils ont choisi de kidnapper ma fiancée, ma Oloma. Pourquoi? Écoute, je vais les tuer. Un à un, je les tuerai. Un à un, je vais les arrêter, je vais les torturer et je vais leur faire payer. Et ils vont payer. Écoute chacun d'entre eux. Et leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ils le paieront.
Les dieux sont encore silencieux. Sera ta nouvelle demeure. Tu m'entends? Viens. Et maintenant, je te trouve très belle comme j'aime bien. Viens là. Viens ici. Tu veux me résister? Veux-tu mourir? Tu veux mourir? Si tu es sage, tu vivras. Et si jamais tu ne l'es pas, tu vas mourir maintenant! Mon cœur, ne me dis pas que tu as le cœur brisé à cause de Uluma. Elle est partie. Non, mon roi. Je sais que tu n'es pas un faiblard. Tu es un homme fort, un grand chasseur et un grand guerrier respecté dans le royaume de Ezeima. Alors, je ne m'attends pas à ce que tu te lamentes. Autant pour une femme. Ah, es-tu folle? Maintenant, écoute-moi très bien. Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu viennes chez moi raconter des bêtises sur moi et sur la femme que j'aime. Si tu l'essayes encore, je ne serai pas aussi gentil. Maintenant, va-t'en d'ici. Va-t'en voir que je ne m'énerve. J'ai dit dehors. You're my morning star. Oh, my little amor, you're all I see. Oh, you're my shiny star. Oh. Votre Majesté. Bienvenue, Ichioku. Les choses s'améliorent. Notre joie sera restaurée. Les kidnappings de nos jeunes filles seront révolus. Notre Ezeima a dit que si quelqu'un se portait garant d'aller chercher le crâne sacré du père de notre guérisseur, l'actuel Ezeima de ce village, des rituels seront effectués et des sacrifices seront faits. Et notre village sera libéré et sauvé. Que les dieux soient loués. Ichioku. Votre Majesté. Merci beaucoup pour toutes ces informations importantes venant des émois. Je sais que ça ne va pas du tout être une tâche facile, mais nous ferons passer ce message. Et je suis sûr que nous trouverons des jeunes, forts et vaillants, qui seront volontaires de faire ça pour nous. Et notre village retrouvera la liberté. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Que les dieux soient loués. Ici. Aïe. Aïe. Je t'avais bien prévenu qu'on finirait par trouver une solution. Je sais ce que vous ressentez. Vous êtes triste et confuse. Mais vous devez surmonter cela. Vous devez vous réjouir car vous allez mourir pour une bonne cause. Que les dieux nous en préservent. Votre mort ne sera pas en vain. Je suis désolée, mais vous devez accepter votre destin. Nous n'allons pas mourir. Nous ne mourrons pas ici. Jamais. Nous ne mourrons pas ici. Non. Nous n'allons pas mourir ici. Allez dire ça à votre Igwe ou celui qui vous envoyait.
Mais Akido, je ne comprends pas pourquoi la princesse est-elle remontée contre cette prisonnière. Odoma, mêle-toi de tes affaires. Après tout, la reine a tous les droits d'être fâchée contre qui elle veut. Alors ça ne te regarde pas. Et je ne sais même pas pourquoi cette fille réagit ainsi. Alors mêle-toi de tes affaires. Ok. Quel est ce genre de rêve? Qui est cette jeune fille? Et sa façon de danser? Sa beauté? Oh! J'imagine à quel point j'étais heureux dans ce rêve. Ça fait des mois que j'ai pas ressenti cela. J'aurais souhaité que ce soit vrai. Je suis fatiguée de ce village. Honnêtement, je suis fatiguée. Quelqu'un n'arrive pas à boire une tasse de café dans ce village. Oh. Es-tu folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu la seule prisonnière ici? Ne peux-tu pas rester tranquille pour une fois? Attachez-la. Mais... J'ai dit attachez-la et emmenez-la chez le roi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais s'il te plaît... Je t'en supplie. Je t'en prie, ferme-la. Je n'en sais rien. Tu sauras quand tu y seras. Mais s'ils veulent te décapiter, parfait. Pardon, emmenez-la. Hey, Ness, s'il te plaît. S'il te plaît. Emmenez-la, emmenez-la. Ness, s'il te plaît.
Mon prince, la voilà. Olama. Dégage-la. Tu as eu de la grâce aux côtés du prince. Mais je crains. Je crains ce qui arrivera ensuite. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais tu... Bonjour, mon prince. Bonjour, mon prince. Bonjour à vous. Tu as fait du bon travail. Merci, mon prince. Tu peux disposer. Suis-moi. Tes pas de danse ont chanté dans mon cœur. Et ont voyagé à travers mes veines, m'ont saoulé comme du vin de palme fraîchement cueilli. J'en veux encore plus. Alors, on ira dans mon endroit préféré pour que je puisse profiter de tes pas de danse. Mais je suis venue te remercier pour tout ce que tu fais dans ce palais. C'est formidable. Ma princesse, vous n'avez pas à me remercier. C'est ce que je fais depuis des années. Alors, c'est devenu une deuxième nature. Et en plus, si je ne le fais pas, j'échouerai aux promesses que j'avais faites à la défunte reine, une bonne amie, avant que elle et le roi ne rejoignent nos ancêtres. Je leur avais promis que je prendrais soin de tout. Mais j'ai un souci. Il s'agit du prince. Il n'a pas pu supporter la douleur de la perte de ses parents. Il n'est vraiment pas heureux. Je vous en supplie, ma princesse. S'il vous plaît,
Vous êtes sa femme. Je vous en supplie. Faites de tout votre possible pour qu'il redevienne heureux. Je voudrais revoir ce prince heureux que j'ai vu grandir. Ce prince beau et heureux qu'il a été autrefois, s'il vous plaît. Mais tu n'as pas besoin de t'en faire. Je suis là pour soutenir le prince. Dans tout ce qu'il traverse, je ferai tout mon possible pour qu'il soit heureux. Merci. Mais qui est cette prisonnière qui dansait pour le prince? Une prisonnière. Oui. Oloma, c'est son nom. C'est une roturière. S'il vous plaît, ignorez-la. Jamais. Je dis bien jamais. Je n'accepterai pas cela. Je leur ferai payer pour ça. Personne ne fera du mal à ma bien-aimée. Je suis éduqué et ce que je veux, je l'obtiens. Oui. Je dois récupérer ma fiancée. Vous m'entendez? Je dois récupérer ma fiancée. Que les obstacles se tiennent devant moi, je les détruirai. Je les détruirai! Les ordres que j'ai reçus, c'est de t'enfermer ici, sans nourriture et sans eau. Dans ce cas, enferme-moi sans me pousser. Ne bouge entre. Pas. Entre. Lâche-moi. J'ai besoin de nourriture. J'ai besoin de nourriture. Je ne me sens pas bien. Entre. Entre. Viens, rentre. Jike, j'ai appris que Dike et toi s'étaient portés volontaires pour récupérer le crâne du défunt Izemur, pour que vous puissiez sauver le royaume. Et sauver aussi Loma. En aucun des cas, je ne laisserai Dike entamer cette mission risquée seule. Moi et Mere, je vous rejoindrai. Je voudrais aussi partager cette victoire. Je me fais de soucis pour ma fille. Je sais qu'elle n'est pas heureuse. Là où elle se trouve, elle n'est pas en sécurité. Mais le dieu de notre village, s'il vous plaît, épargnez ma seule fille. J'ai un pressentiment qu'elle n'est pas encore morte. C'est bon. Notre fille ne mourra pas. Nos dieux seront toujours avec elle. Donc, avant même que tu ne t'en rendes compte, elle sera de nouveau parmi nous. Nay, mais quels sont les efforts que tu fais pour te rassurer qu'elle revienne? Qu'est-ce que tu fais pour te rassurer que ma fille revienne? Hein? Maintenant, dis-moi, c'est... Parmi les gens qui se sont fait enlever dans ce village, as-tu entendu que l'un d'entre eux est revenu? Adieu. C'est dur. C'est très triste. C'est très dur que notre fille se soit fait enlever. Je me demande bien comment elle va. Attends. Regarde bien ce que moi, le feu flamboyant, fera. Je dois faire quelque chose. Regarde bien. Naï, fais-le vite. Dépêche-toi d'agir. Est-ce bien à moi qu'il s'adresse?
Non. En fait, je vais marcher un peu, je reviens. Tiki, Tiki et Mary, tous les trois, vous irez dans la forêt de Omoué. Tiki, en tant que chasseur, tu connaîtras mieux le chemin. Lorsque vous arriverez dans cette forêt, vous y trouverez la tombe de Ezemwa. Déterrez le cadavre. Eya, revenez avec son crâne. Partez maintenant. Akeji. Igwe. Lève-toi. Lève-toi. Approche. Approche. Prends place. Assieds-toi. Odoua. Mon prince. Vous pouvez disposer. Allez-vous-en. Eh. Va-t'en. T'en veux? Non, j'aime ça. Et tant toi, hein? J'apprécie ta compagnie. Ça me rend heureux. Petite paysanne, hein? Espèce de roturière. Donc tu as décidé de me mettre les bâtons dans les roues, hein? Tu y es revenu dans ce palais après que je t'ai averti de ne plus y mettre pied. Quand je t'aurais donné une leçon, même si le prince te demande ou te force à danser, tu ne le feras pas. Tu t'enfuiras. S'il vous plaît. S'il vous plaît, princesse. Je suis désolée. C'était l'ordre du prince. Un ordre du prince? Ne t'en ai-je pas donné avant qu'il le fasse? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Fermez-la, si j'entends encore un mot, je vous frapperai. Ogini, que se passe-t-il, Jinika? Pourquoi la frappes-tu? Hein? Pourquoi est-ce que tu la frappes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Ewo,
Oh mon Dieu, oh, regarde son dos. C'est un ordre de la princesse. De la fouetter jusqu'à ce que Koma s'en suive. La princesse? Mais pourquoi? Hein? Est-ce pour cela que tu la fouettes comme si tu tuais un serpent? Hé, hey, pardon. Je me mets à genoux. Je t'en prie, ne la fouette plus. Permets-moi d'aller voir la princesse. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je ne pense pas que tu comprennes ce que signifie un ordre royal. Ceci est un ordre. Maintenant, laisse-moi faire mon travail. Jenica, s'il te plaît. Jenica. S'il te plaît, laisse-moi faire mon travail. Oh! Ah! Ah! Jenica, hé! Je vous en supplie, allez dire à Jenica d'arrêter de fouetter Oluma. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, jamais. Mais comment ose-t-elle m'insulter? Hein? Comment ose-t-elle m'insulter? Moi, la prochaine reine? Moi, la femme d'Obalézé, le prince du royaume d'Okoué. Mais toi et moi savons que ceci est le sort réservé aux prisonniers qui sont désobéissants. Pourquoi tu plaides en sa faveur? Princesse, je le sais. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, ayez pitié d'elle. Ce n'est qu'une enfant. Une enfant? Une enfant qui danse pour le prince? Qui lui a demandé de danser pour le prince? S'il vous plaît, ma princesse, souvenez-vous qu'elle ne danserait pas pour le prince s'il ne lui avait pas ordonné de le faire. S'il vous plaît, je vous en supplie, pitié. Mais c'est bon, mais c'est bon, c'est bon. Ça va aller. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, essaie de te calmer. Ne t'en fais pas, je vais te masser. Nemo, Nemo, pourquoi moi, Nemo. Ne t'en fais pas, je vais y aller doucement. Je sais que c'est ça douloureux, je sais. S'il te plaît, tu dois être forte, hein, mon enfant. S'il te plaît, ça va aller. Hey, ça va, ça suffit. Ça va aller. Je n'ai rien fait. Je sais. Calme-toi. Ça fait mal. Écoute, calme-toi. Adonnaissant. Oluma, je dois te masser pour que tu guérisses. Il faut que tu restes tranquille. Donc, s'il te plaît, laisse-moi te masser. Je vais y aller doucement. Calme-toi pour que ça aille vite. Thank you.
Cruzon. Souvenez-vous de l'incantation. Qu'est-ce que moi dit que nous devions faire? Dieu de nos terres, nous implorons votre miséricorde. C'est bon. Creusons. Arrête! Pourquoi? Nous devons partir tout de suite. Écoutez, ne creusons plus et allons-y. Nous avons besoin de ce crâne. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Et j'ai dit que nous n'avons plus besoin de ce crâne. Nous devons creuser cette tombe et nous le ferons maintenant. Nous devons partir maintenant. Nous prendrons ce crâne. Nous avons besoin de ce crâne. Nous prendrons ce crâne. Pam pam pam. Pam pam. Dike. 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 Ah ah. Dike. Ah ah. Dike, mam. Dike, où es-tu? Dike. Ton amour est là. Ça fait vraiment longtemps. Regarde qui est là. Ah ah. Ugo Loma, qu'est-ce que tu fais ici? Amoubi. Oui. Un instant. S'il te plaît, sais-tu où se trouve Dike? Ah, Dike. J'ai appris qu'il était allé à Okuo avec ses amis. Okuo? Pour faire quoi? Pour aller chercher une autre femme, bien sûr. Je t'avais dit, Ugo Loma. Viens à moi et je prendrai soin de toi. Regarde-moi bien une seconde. Ah, Agor. Regarde bien, oh, Dike. Je prendrai soin de toi. Je rendrai ce monde meilleur pour toi. Où? Ok? Où tu es? Tu lui as même apporté à manger. Ha. Ah, regarde-toi. Ugo Loma, tu auras tout vu. Uche,
Regarde cette crevette sèche, avec le teint d'un cadavre. Toi, Uche, hey, Uche, tu n'arrives même pas à te nourrir et tu veux prendre soin de moi. Hey, hey, Uche, respecte-toi. Uche, respecte-toi. Amobi, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé déterrer le crâne d'Idibia. Viens, allez, viens, allons-y, quittons cet endroit. Ah. Notable des Yama. Igwe. Je vous salue tous. Je prie que les dieux qui ont commencé ce travail l'achèvent. Ici. Je prie aussi que les jeunes hommes des Yama qui ont été volontaires d'aller porter le crâne dont nous avions besoin, qu'ils soient protégés par les dieux. Ici. Ils reviendront victorieux. Nos dieux vont les protéger, Votre Majesté. Je le sais. Ils rapporteront ce crâne. Tout se passe. Je n'ai aucun doute là-dessus, c'est certain. Les dieux nous aideront. Ouais. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Et il transpire même. Tu veux pleurer? Allez, Ogoloma, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu prépares encore cette fois? Tu sais que tu aimes bien... Vous vous moquez, n'est-ce pas? Pas de problème. Ok, on se moque plus, ok? Quel est le problème? Dis-nous, ok? Hein? Je me suis rendue chez Dick hier, juste pour le saluer. Oh. Quoi? Pardon, laissez-moi tranquille. Ah. Ok, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il n'était pas là. Ensuite, j'ai vu Uche et Amobi. Et ils m'ont dit que Dick et ses amis sont partis dans la forêt de Okwe. Simo! La forêt de Okwe? Mais pourquoi? Je savais que Dike allait faire quelque chose après que Loma se soit fait capturer. Ah, un homme comme Dike, un homme si gentil, tellement fort. Ah, j'aurais aimé avoir un homme comme lui. Ah, oh mon Dieu! Dike. Ah, très attentionné. Oh. Eh? Je sais que Dike aime tellement Olama qu'il est capable de tout pour elle. Prions juste que les dieux le protègent. Issé. Alors, tous les deux, êtes d'accord que Dike aille dans la forêt de Okwe à cause de cette stupide fille d'Uloma. Et si quelque chose lui arrivait? Mon Dieu, je t'en prie, protège mon Dike. Dike. Écoute, ma chère, tu délires. Tu ferais mieux d'arrêter de rêver. Car Dike ne sera jamais à toi. Il appartient à Uloma. Donc c'est pour cette raison que tu te tiens sous l'arbre, faisant les tours et transpirant. Stupide fille, allons-y. Faut vous en aller. Attendez-moi. Où suis-je? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Ouais, le crâne, je croyais qu'il était près de la tombe. Où est Tiki? Je l'ai tué. Tu as fait quoi? Je l'ai tué. Non, tu blagues.
t'as pas tué Tiké. Tu es devant toi. Je t'ai vu tuer Tiké. Quand? As-tu perdu la tête? Tu m'as vu le tuer. Que je t'ai vu? Écoute, Emery, je sais que t'as perdu la tête, mais pas jusqu'à ce point, Emery, pas. Je m'en vais chercher Tiké et le crâne. Tu mourras comme Tiké. Tu mourras, Tiké. Emery! You're my morning star. Oh, my little child. You're all I see. Oh, you're my shiny star. Oh, Oulomba, arrête de pleurer. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Qu'en est-il du cauchemar? Dieu de nos ancêtres, s'il vous plaît, protégez ma mère et Tiké pour moi. S'il vous plaît, protégez-les et que rien de mal ne les arrive. Dieu de nos ancêtres, s'il vous plaît, protégez ma mère et Tikeo. Je ne veux pas que quelque chose les arrive, s'il vous plaît. Tiké, mon amour, où es-tu? Mon prince, selon les traditions de notre royaume, lorsque le prince est assez grand pour diriger son peuple, il se marie. Et l'étape suivante dans le processus fait qu'il soit couronné. Vous avez prouvé à notre peuple que vous êtes un leader, un bon leader. Alors, nous sommes venus pour planifier votre couronnement en tant que roi du royaume de Kwe, hein? Oui, c'est ça. Bien. C'est ça. Vous avez bien parlé, Itio Kwayoranu. Fixez une date et je vais l'honorer. Nous travaillons dessus, mon prince. Et je peux vous assurer que ce couronnement sera inoubliable.
Oloma, qu'est-ce que tu as? Oloma. Né. Qu'est-ce qui t'arrive? Né. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui ne va pas chez toi? J'ai de la fièvre et j'ai vomi beaucoup. Je ne sais pas. Approche-toi. Ouvre ta bouche. Je veux regarder ta langue. Oloma. Né. Quand est-ce que tu as vu tes règles pour la dernière fois? Tu comptes avec tes doigts et tes orteils? Hein? Bah. J'espère pour toi que c'est vraiment le paludisme. Hey. Je vous salue, chers notables. Nous vous saluons. Je sais que nous devons sacrifier cette vierge. Mais je crois que nous devons arrêter de faire couler le sang des innocents. Juste pour adoucir le roi et la mort douloureuse d'Ezemoi. Mon prince, oui, ce que vous dites est vrai. Mais plus tôt nous l'avons fait, et mieux c'est pour nous. Pas vrai? Tu as raison. Votre arrière-grand-père a fait des sacrifices. Et votre père a fait la même chose. Je crois que vous devez faire la même chose. Exactement. Écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre d'éteindre la lumière sur notre lignée. C'est pas possible. Nous devons prendre des précautions. Rapidement. Parce que si on ne le fait pas, Owogidi nous tuera tous. Owogidi nous exterminera. Et vous savez ce que ça signifie. C'est ça, notre tradition. Mais le guérisseur avait dit que... Pitié. J'ai pas envie de dire la ferme. Je suis le prince de ce royaume et le porte-parole de mon peuple. Je décide de ce qui doit arriver. Très bientôt, je serai appelé roi de Ganguangandi, roi Oduodi, du royaume de Okwe.
C'est moi qui décide quand faire les sacrifices. Vous tous, rentrez chez vous et occupez-vous de vos champs. Partez! Mon prince. Oh non. Oh non. J'ai hâte de vous voir accéder au trône. Je suis impatient de vous voir porter cette couronne. Notre peuple est impatient de vous avoir comme roi. Mon prince. Oh non. Mon prince. C'est ici que repose la tête qui portera la couronne. Mais cette couronne doit être sur ma tête. C'est bien. Tu sais ce que tu ressens. Mais je t'en prie, arrête de pleurer. S'il te plaît, ça va. Ça va. Ça ira. S'il te plaît, arrête de pleurer, ok? S'il te plaît, arrête de pleurer. Je t'en prie, calme-toi. Vous m'avez appelé. Niedi va chercher Ulama. Hey. Quel est le problème? Va me chercher Ulama. Mon prince, je ne l'ai pas vu depuis hier. Que veux-tu dire par tu ne l'as pas vu depuis hier soir? Et pourquoi personne ne m'a rien dit? Mon prince, ce n'est pas qu'elle est perdue. C'est juste que je ne suis pas allée les voir. Depuis hier, parce que j'étais en train de préparer le couronnement, j'étais occupée avec les préparatifs. Je vous demande pardon, mon roi. Tu étais occupée avec les préparatifs du couronnement. Ne me donne pas des excuses. Je suis désolée, mon roi. Quel est ton travail dans ce palais? Qu'es-tu censé faire? Je veux voir Ulama tout de suite. Vite! Oui, oui, mon roi. Ulama. Mais... Le roi veut te voir. Mais s'il te plaît, pas encore. La reine me tuera, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne veux pas partir, s'il te plaît. Eh bien, ce n'est pas le problème principal. Je t'ai emmené ici parce que je t'avais à l'œil. Écoute. Tu es enceinte. Ceci n'est pas une simple fièvre. Tu es enceinte. Mais... C'est pas possible. Je ne suis pas enceinte, mais comment? Ulama, qui est le géniteur. Mais tu dois d'abord aller voir le roi.
Nous en reparlerons plus tard. Mais... Qu'il a enfermé sans eau ni nourriture. Comment as-tu pu être si cruel? Comment as-tu pu? Où est passé ton sens d'humanité? Où veux-tu me dire que tu as perdu la raison? Mais votre majesté, elle est censée être sacrifiée. La ferme. Comment oses-tu parler du sacrifice devant le roi Lutana, Gangkuan Gandhi, le roi Oduodi, du royaume d'Owokwe? Depuis quand est-il de ton devoir de faire des sacrifices? Es-tu devenue folle? La prochaine fois que je t'entendrai le dire, je te ferai trancher la tête. Dégage ton gros tas de graisse. Dégage! Inquiété! Et tu étais dans ce palais. Ça fait 8 jours déjà que Jike et Emere sont allés à la recherche du crâne des aimants. Et ils ne sont pas revenus. Dieu de nos ancêtres. J'espère qu'ils sont sains et saufs. De toute façon, ne perdons pas espoir. Ils peuvent être en chemin. Je l'espère et je le souhaite. Mon Dieu, pardon, protège-les. Quelque chose leur arrive. Eh, assez, c'est assez dans ce village. Honnêtement. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas morte. Hein? Alors assieds-toi. Hé, hey, comment peux-tu savoir si elle est encore en vie ou pas? Comment? Hein? Ma fille s'est fait kidnapper depuis 1 mois et je n'ai pas eu de ses nouvelles. Le pire, c'est que Dikeki, qui est allée la chercher, n'est toujours pas rentrée. Ça fait 9 jours. Je me demande bien pourquoi Dikeki n'est pas encore rentrée. Ah, il était censé être de retour après 7 jours. Sinon, il aurait été déclaré mort. Hey. Quel est le problème? Mes ennemis, ah. Mes ennemis. Mais qu'à cela ne tienne, hein? Je pense que tout ira pour mon le mieux. Dieu. Je suis le feu flamboyant chez mes plans. J'espère juste que le pire ne s'est pas produit. Mes ennemis se moqueront de moi. Hey, amou. Mais calme-toi, hein? tu parles comme si tu ne savais pas qui je suis. Je suis le feu flamboyant. Calme-toi. Laisse-moi réfléchir un peu. Mais... Ça ira. Ça va aller. Laisse-moi réfléchir. Un feu flamboyant, mon deuil. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Dikeki est mort. Hey! Ça fait 6 mois déjà, comptant des 7 jours après lesquels nous nous attendions tous à ce qu'il revienne. Les choses n'ont pas marché. Quel dommage. Hey! 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 Igwe! Oh. Encore une autre perte. Notable des Yama. Igwe.
Je crois qu'il est clair pour nous qu'ils sont tous morts. Nous devons maintenant planifier comment faire leur enterrement. Et leur enterrement aura lieu avant le prochain jour du marché. Oh. Oloma. Oloma, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu risques de te tuer à force de pleurer. Ah, maudit. Maudit, n'est-il pas mieux que je meure ici? C'est mieux que je meure ici. N'est-ce pas ça? Au lieu de mourir en peuplé pour un crime que je n'ai pas commis. Oloma. Oloma, es-tu sûre de me dire la vérité? Maudit, je suis innocente. Maudit, je suis innocente. Je ne me suis jamais approchée du roi. Je ne me suis pas approchée de lui, pire encore, couchée avec lui. Je n'ai absolument rien fait. Je n'ai rien fait. Oloma, ça suffit. Je n'ai rien fait. Ça suffit. C'est bon, je comprends ce que tu ressens. Mais crois-moi, si tout ce que tu m'as dit est vrai, alors les dieux ne te laisseront pas mourir avec cet enfant innocent dans ton ventre. Elle te viendra sûrement en aide. C'est bon, arrête de pleurer. Pour l'amour de ton bébé, s'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh là, s'il te plaît, arrête de pleurer. Oh Loba. Oh Loma. Ma seule fille, tu es partie. Et Dike, on s'est rejoint. Je me faisais du souci pour lui. Vous avez cru que je ne savais pas ce que je racontais. Tu veux arrêter, Oloma? Nous savons tous que tu pleurais pour ton propre intérêt, alors arrête. Donc le roi a déclaré... Tiki et Emer est mort. Juste comme ça. Leurs gentils hommes reposent en paix. J'ai appris que leurs funérailles auront lieu avant le prochain jour de Eke. Ne me dites pas que Dike est mort. Dike. Ah. Dike ne peut pas être mort. Ça ira, s'il te plaît, je te pleurerai, ça ira. T'en prie. Ça suffit. C'est vraiment très fort. Qui est le père de ton enfant? Oloma, qui est le père de ton enfant? Que se passe-t-il ici? Mon roi, depuis des mois, je demande à Oloma qui est le père de son enfant. Car si ce n'est pas le roi, je me demande qui ça peut être. Je te demande pardon. Oui. Que veux-tu que je dise d'autre? Je l'ai vu venir. Et je voulais l'arrêter quand elle dansait pour toi. Mais tu m'avais traité de méchante. La ferme! Ferme ta grosse gueule! Comment as-tu parlé au roi Lutana du royaume de Wokwe de cette façon? Ngangwangandi. Encore un mot. Je trancherai ta tête pour m'avoir déçu. Un seul mot de plus. Je te renverrai chez ton père.
Igwe. C'est une tradition très ancienne qui dit que toute femme qui sera enceinte du roi en dehors de sa femme doit être décapitée le jour du marché aux nourries. C'est la vérité. C'est la tradition. Oulama a dit qu'en fait, elle ne savait pas qui était l'auteur de sa grossesse. Mais je me demande bien comment un escargot ferait pour ne pas connaître le poids de sa propre coquille. Oulama, à son âge, devrait savoir qu'il a enceinté. Donc, le fait qu'elle ne le sache pas est incroyable. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. La reine a dit que le roi était le responsable de la grossesse de Luma. Itié, Votre Majesté. Je ne veux pas qu'Olama meure. Mais je ne suis pas responsable de sa grossesse. Dans ce cas, devons-nous consulter les émois pour savoir exactement quoi faire? Hey! Ma reine. Ezemo, alors? Écoutez, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse du mal à Oloma? Vous savez qu'elle est innocente. Écoutez, en dehors de ça, elle est enceinte de son fiancé dans son village natal, avant qu'elle ne se fasse capturer. Oui, je le sais, mais je ne voudrais pas qu'une autre femme accouche avant moi dans ce royaume. Ezemo, je te donnerai n'importe quoi pour que tu sois de mon côté. Nous allons demander à l'oracle. Nous allons demander à l'oracle comment est-ce que ça va se passer. Hey! Je te donnerai une parcelle de terrain. Hein? 3 hectares de terrain. Lorsqu'elle se fera exécuter. Ma reine, votre demande est très compliquée, vous le savez. Ce que vous me demandez est vraiment quelque chose de très compliqué. Que ferons-nous pour pouvoir transformer cette igname? Comment ferons-nous pour la transformer en fruit? Ce sera fait grâce à la relation que vous et moi avons. Maintenant, tu parles. Ma reine, il n'y a rien que vous pouvez me demander et que je ne puisse vous donner. Mm-hmm. Il n'y a que la mort, vous comprenez? La seule façon de se venger d'un cadavre, c'est de l'enterrer. Et c'est tout. Considérez que c'est fait. Merci, Ezemo. Hey! Et vous venez quand vous m'avez un bon. Mon roi, vous m'avez fait appeler. Mon roi. Une question. Mon roi. Pourquoi est-ce que ma femme se réjouit de tout ceci? Pourquoi veut-elle me faire honte et me mettre dans l'embarras? Pourquoi est-ce qu'elle veut qu'Olama meure? Qu'est-ce qu'elle y gagnerait si moi et Olama mourions? Qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Mon roi, s'il vous plaît,
Permettez-moi de vous avouer ceci. J'ai causé avec Oloma. Elle a juré sur son bébé qu'elle est enceinte de son fiancé. Oui. Dike, un grand chasseur des Yama. Il préparait son mariage avant qu'elle ne se fasse capturer et emmener ici. Mon roi, s'il vous plaît, je vous supplie d'envoyer certains gardes à Ezyama pour plus d'informations. Je te remercie. Je ferai comme tu as dit. J'enverrai des messagers à Ezyama pour se renseigner sur Dike et Olama. Merci, mon roi. Longue vie au roi. Udoma. Igwe. Fais-moi venir, Ika. Igwe. Igwe. Vous irez à Ezyama demain. Hmm? Demandez s'il y a un homme qui s'appelle Dike. C'est un grand chasseur. Et demandez s'il a une fiancée qui se nomme Olama, qui a été retenue prisonnière à Uokwe. Hmm? Que les dieux vous protègent. Et j'espère que vous serez de retour d'ici demain avec une bonne nouvelle. Hmm? Rappelez-vous, vous ne devez le dire à personne. Oui, Majesté. Odoma. Je t'avais averti. Tu vois, tu es tombé dans mon piège. Très bientôt, tu te feras exécuter devant tout le monde. Danseuse, car ton entêtement t'a mis dans de sales draps. Go. Votre Majesté, quelles sont les nouvelles? Votre Majesté, c'est vrai qu'elle devait se marier
avant qu'elle ne soit enlevée. Oui, votre majesté. Akete. Igwe. Igwe. Dépêche-toi d'aller sur le lieu d'exécution. Et arrête l'exécution à l'instant même. Oui, votre majesté. Cours, Akete. Okolo. Je vous salue, cher notable. Oui, bonjour. J'apporte un message du roi. Un message ? Il y a une nouvelle preuve qui prouve qu'Olamma est innocent. Notre roi n'est pas le responsable de sa grossesse. Il s'agit plutôt d'Ndike, un grand chasseur de Eziama. Il est le seul responsable de cette grossesse. You're my morning star. Oh, my little amor, you're all I see. Oh, you're my shiny star. Oh, 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 Onye njie mo, ufwanya moja uso. Ibu papandu mo, papandu mo, ibu papandu mo, papandu mo, papandu mo, papandu mo. Ah!
Odoma. Oui, votre majesté. Va vérifier ce qui tourne pas rond. Oui, votre majesté. Votre majesté, Oloma vient d'accoucher. Que les dieux soient loués. Va voir le prêtre et dis-lui de commencer le rituel. Cours, Odoma. Oui, votre majesté. J'ai attendu que vous veniez me voir pour tenir la promesse que vous avez faite au dieu. Quelle promesse ? Hein ? Attendez, c'est à moi que vous posez la question ? Ou c'est au dieu que vous la posez ? Tu n'as pas fait ton travail. Oluma n'est pas morte, alors tu n'as droit à rien. Oh, vous voulez que je tue une personne innocente ? J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous devez tenir à votre parole. Tu n'as rien fait du tout. C'est ce alors que vous dites. Tu n'as droit à aucun terrain. Est-ce compliqué ? Mais c'est qui, lui ? Alors, c'est ce que vous me dites ? Vous voulez défier Aizé et moi ? Vous voulez vraiment tester mes pouvoirs ? Vous tenez à savoir ce que je vais vous faire ? Vous voulez tester mon pouvoir ? Le pouvoir de Aizé et moi ? Vous voulez me tester ? Que se passe-t-il ici, Aizé et moi ? L'œil des dieux. Je leur redemande, que se passe-t-il ici? Dites-lui! Sinon, je dirai tout à Igwe. Je serai dans l'obligation de lui dire ce qui se passe ici. Igwe, la reine m'a demandé de mentir et de dire de fausses prophéties sur Oluma, sachant très bien qu'elle était innocente. Tu es un menteur! Je ne t'ai jamais rien demandé! Oluma n'est pas morte! Tu n'as rien fait! Je t'ai proposé une parcelle de terrain et tu as accepté! Je ne suis pas content parce que vous n'avez pas tenu parole! Vous n'avez rien fait! Tu n'as rien fait! J'ai fait mon travail! Tu n'as également vous rien n'avez fait. Pas tenu parole! Fermez-la! Rien fait du tout. Fermez-la, tous les deux! Aizé-moi! Donc vous avez comploté tous les deux pour nuire à une femme innocente et son bébé! Ceci est inconcevable envers l'humanité. Dans mon royaume, Ngankuangandi. Tu vois ce que t'as fait. Odoma. Igwe. Amène ces deux bestes. Aizé-moi. Je te ferai la peau. Aki. Igwe. Amène-la au palais. Maintenant. Avance. 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 Mais doucement. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. On vient quoi? C'est une abomination. Incroyable. Hein? J'ai décidé de renvoyer la reine chez son père. Parce que je ne peux plus vivre sous le même toit avec une meurtrière. En ce qui concerne Aizé-moi, si je l'avais voulu, j'aurais déclaré sa mort. Mais après tout, un enfant qui veut jouer ne devra pas fuir au son de la cloche. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ouais. J'ai laissé les dieux le juger. Et je lui ai interdit de consulter les dieux pour nous. Ouais. Avec son statut, les yeux des dieux, il fait quand même de telles choses.
Cher notable, telles sont mes décisions dorénavant. Que les dieux nous protègent. Igwe. Mon roi, vous m'avez fait appeler. Nobiano Chuko. Oui, mon roi. Je pense qu'il est temps pour nous de libérer ces prisonnières des Yama. Pour qu'elles puissent retrouver la famille. Oui, mon roi. C'est une sage décision. Très bien. Je vais envoyer les gardes pour qu'ils les libèrent immédiatement. Oui, mon roi. Je voudrais appeler les notables. Je les ferai venir pour leur dire que nous devons arrêter cette pratique. Sage décision, mon roi. Et quoi d'autre? Aussi, je veux du vin de palme frais. Du vin de palme frais, d'accord. Très bien. Merci, mon roi. Odoma. Oui, mon roi. Je croyais que tu étais morte. Né, c'est toi. Hey, tu es en vie. Je suis en vie. Qui est-ce? Né. À qui appartient ce bébé? Né, c'est le bébé de Dike. Dike? Oui. Je vous salue. Hey. Y a-t-il un problème? Non, mère. Il n'y a aucun problème. Né. C'est le roi Lotana, du royaume d'Ukwe. Né, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé. C'est grâce à lui que je ne suis pas morte au royaume d'Ukwe. Igwe. Igwe. Igwe, je ne saurais comment vous remercier. Je ne saurais comment vous remercier. Je crois que c'est la volonté des dieux que mes guerriers aient kidnappé Olama et d'autres jeunes filles de votre royaume. Parce que cela m'a permis d'abolir le sacrifice annuel de cette vierge dans mon royaume. Je rends grâce aux dieux pour cela. C'est une bonne chose que les dieux n'ont pas permis que l'incident continue jusqu'à créer une guerre. Nous remercions les dieux. Nous remercions les dieux. Oui. Alors... comment ça se passe dans le royaume des Yama? Nous avons eu à vivre tout genre de...
calamité dans notre royaume. Eh bien, je dois dire qu'aucun royaume dans ce monde ne vit une paix vraiment stable. On fait face à des calamités tous les jours. Sois la bienvenue, ma fille. Je suis content que nous avons laissé l'incident entre Amokwe et Ezeama derrière nous. Uloma. Igwe. Le roi Lotana ici a demandé ta main en mariage. Alors qu'est-ce que tu dis de cette opportunité de resserrer les liens entre nos deux villages? Oui, je le veux. Eh bien, ma future épouse, je savais qu'on était fait pour être ensemble. Je suis très heureux aujourd'hui. Les dieux sont avec moi. Dike, que s'est-il passé? Dike! You're my morning star. Oh, my little amour, you're all I see. Oh, you're my shiny star. Oh, onye mwunanya, onye njiemo, ufanya mujahuzo. You are all that I need in my life. Onye mwunanya, onye njiemo, ufanya mujahuzo. Ibu babandungo, babandungo, ibu babandungo. Dike, que s'est-il passé? Igwe. Oh, my little amour, you're all I see. Oh, you're my shiny star. Igwe. Je vous salue. Igwe. C'est une très longue histoire. Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, j'arrive. Je suis désolée. Non, calme-toi. Je dois m'en aller. Calme-toi. Je dois m'en aller. Calme-toi. Je suis en train de te soigner. Je suis en train de te soigner. Je ne peux pas comprendre. Je comprends. Je dois m'en aller. Attends, je vais prendre soin de toi pour que ce médicament agisse. Calme-toi. Désolée, je suis désolée. Désolée, hein? Désolée. Je crains qu'il ne soit temps pour moi de repartir dans mon village. Le moment est arrivé. Je ne saurais te remercier pour tout. Pour tout ce que tu as fait pour moi, madame. Pour avoir pris soin de moi durant tout ce temps. Merci beaucoup, madame. Merci, mon fils. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir tenu compagnie.
Je ne veux plus que tu t'en ailles. Je remercie les dieux pour t'avoir donné la guérison. Dieu merci. Sois sage en partant. Prends soin de toi. Je le ferai. Et prends aussi soin de toi, madame. Merci beaucoup. Je le ferai, mon fils. Au revoir. Et c'est ce qui s'est exactement passé, Igoé. Malgré tout, tu as une grande destinée. J'ai entendu plein d'histoires sur toi. Que les dieux soient loués. Eh bien, c'est la première fois que je te vois. Et je dois avouer que tu as vraiment de la chance d'avoir une femme comme elle. Et que les dieux bénissent votre union. Que les dieux soient loués. Oui, que les dieux soient loués. C'est vraiment formidable. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh, you like the air I breathe, oh, feel my shining star.
Yano!